Voilà, Denko. Voilà, j'appelle Denko. Ouais, Denko. Ouais, c'est comment, beau? Voilà, donc voilà, je suis en direct là. On veut que tu expliques. Ce que Daoud a fait là, nous, on n'est pas d'accord avec ça. Voilà, comme ça, on réveille l'affaire là une fois pour toutes. Donc, on te coupe, champion. Peut-être un spectacle qui est organisé à Toulouse. Oui? D'après lui, c'est lui qui m'a fait venir à Beng. Donc, d'abord, il fait part égale avec mes cachets. D'accord? D'après lui. Bon, je suis sûr qu'il tournerait pendant un certain moment. Il D'accord? me dit à Toulouse. À Toulouse, il a signé 1000 euros. Attends, je tiens à dire que c'est Denko lui-même qui est au téléphone. Il vous explique. Pour ne pas vous aller dire demain que c'est Taliban Choco. Petit Denis même, il est au téléphone, il vous explique ce qui s'est passé, pourquoi Dao l'argent est tombé sur lui. On t'écoute, champion. Denko système. Voilà, et il me dit qu'il a signé 1000 euros. Donc, ce D'accord. qui veut dire qu'il va faire par égal avec moi, c'est-à-dire 500 euros, 500 euros. D'accord. Ok. Alors que le cachet, il avait signé plus que ça. Ce qui veut D'accord. dire, d'abord, lui, il se trouve à Abidjan et il me fait voyager, aller jouer jusqu'à Toulouse. Et il me D'accord. fait croire que le cachet, il a 1000 euros, que lui, il a 500 et 500. D'accord. Denko, faut parler un peu plus fort, champion, guerrier. C'est Petit Denis au téléphone, hein, il explique lui-même. Faut pas en dire Taliban Comme je Chocoma. dis, Voilà, Petit Denis, voilà. Denko. Il m'envoie à Toulouse pendant qu'il se trouve à Abidjan. Oui. Il me dit que le cachet est à 1000 euros. Voilà, Hein? c'est Daoul l'agent qui t'a dit Alors que, ça. voilà. Alors qu'il a signé plus que ça. D'accord. Ok? Et d'abord, tu me fais voyager et puis tu fais par égal avec moi 500 euros, 500 euros. C'est-à-dire, moi, tu m'envoies à Toulouse pour jouer pour 500 euros. D'accord. Ok? Je me suis dit, bon, je vais me contenter de me travailler, moi, tout ça. Ce jour-là, j'étais en conseil avec les leaders aussi. D'accord. Tu vois? Et malheur pour lui, c'est à l'un qui était de Toulouse, Ouais. avec qui il a traité le bail. Mais D'accord. celui qui devait me remettre l'argent, c'était Landry Agban. Landry Alors, Agban. voilà. Alors, Landry Agban n'était pas au courant du bail. Donc, Landry Agban est venu me déclarer le frais caché. D'accord, c'est Petit Denis qui est au téléphone, hein, il explique pourquoi Daoul l'argent est tombé sur lui. Écoutez, Petit Denis. Il l'a dit avant qu'il vienne me dire, bon, Denis, j'étais 1500 euros. Ok, avant D'accord. que tu montres la scène, je te remets ça. Alors que Tu Daoul vois? t'avait dit 1000 euros. 1000 euros, que lui, il a 500, moi, 500. Donc, ce qui me D'accord. dit, le Donc gars, il se trouve à déjà, lui, il Abidjan. voulait te coiffer 500 euros. Daoul voulait Merci. te coiffer 500 euros. Et d'abord, c'est qui est méchant, qui te trouve à Abidjan, et moi, je suis ici, là. Là, parce que je dors dans un hôtel, hein. Voilà. Moi, j'ai un appartement avec ma femme. Ce qui veut dire qu'il m'occupe des charges de, tu vois, le frigo, tout ça. Donc, vous faites des charges, t'as vu, non? Hey, C'est pas parce que petit personne Denis, s'occupe. moi j'étais bébé, je t'écoutais. Ce que Daoud t'a Voilà. fait là, moi je ne peux pas laisser ça d'un coup. Il va, ça là, lui et moi là, on s'est prendre. Je t'explique On le discours maintenant. t'écoute d'un coup. La dernière fois, n'était pas entrée, la dernière fois, m'a déclaré le frais caché. Qui était 1500 données. Ah bon? Donc, c'est-à-dire, lui, se trouve à Abidjan, et lui, il prend 1000 euros, pendant que moi, je vais couper pour 500 euros. D'accord. Donc Il dit, OK, lui voulait va coiffer les 1000 euros et puis les toi 1000 les euros, 500 euros. Toi 500 qui es euros. l'artiste, toi qui vis de ton art. Ok. Voilà. OK. J'ai pris mes 1500, j'ai mis les 1500 euros. J'ai mis ça sur moi. D'accord. Et je devais donner les 500 euros à celui à qui il voulait qu'il remette les 500 euros. D'accord. Il appelle depuis, je sais pas, depuis Abidjan. Comment ça me menacer? Toi, tu penses que quoi? Toi, tu penses que moi aussi, bah, bien, bien. Toi, t'as senti plus, c'est moi qui ai sorti 100 bien comme ça. C'est Daoul Quel est l'agent le qui t'a meilleur dit que ça? ça. Mais pas D'accord. tous ces gens, ils parlent là. Ok. Moi, j'ai fini le spectacle, je rentre et je suis Paris. Pendant ce temps, il était en communication avec un de mes petits là. Moi, je savais pas. T'as vu? Il D'accord. peut que je fasse mon portail, il voit Dao qui est derrière moi. Il rentre derrière moi. Moi, ça m'a brutalisé, mais ça met dans ma peau tout ça. Moi, je me suis défendu. T'as vu? Ah, il est Je me suis tombé sur toi en défendu. même temps. Il t'a agressé. Directement. Directement. D'accord. Jean-Moi, il est venu prendre l'argent dans ma poche. Il dit non, il ne me laisse pas faire. On a commencé à lutter dans le salon là-bas. Pendant que moi, il me met dans ma poche, il a réussi à me Hey, faire tomber. Dja, ça, notre Denko Directement. système, il fait ça. Hey. Directement, il me donne un coup de poing dans le visage. Il m'a même déchiré, j'ai les images qui sont là. D'accord. T'as vu? Quand il a vu mon centre écouler, il s'est éclipsé pour la prise de voiture, il a demandé, il est parti. D'accord. Jusqu'aujourd'hui, il est rentré à Abidjan, il est parti. Je ne sais pas dans quelle situation il est.
jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Non, dans l'écosystème, on ne peut pas te faire ça. Toi, tu es notre champion. Mais moi, je ne voulais pas. Moi, tu sais, en fait, moi, je ne voulais pas mettre ce truc-là sur les réseaux sociaux. Hein. Je ne sais pas comment ce discours l'a fuité. Bon, tu as vu, non? Non, mais Denko, Denko. Il se met à la télévision pour dire voilà, c'est moi qui l'ai fait venir, comme ça, comme ça. Dis-lui que tu m'as fait venir. Il s'est basé sur quoi? Sur un homme de spectacle. J'ai fini sur un homme de spectacle, là. Mm-hmm. Et mes spectacles, qui viennent, tu continues à jouer les. Tu continues à me faire passer pour un esclave, de toute façon, moi, je n'ai pas voulu ça. D'accord. Lucas, ce qui est arrivé. Denko. Voilà. D'abord, je salue tous ceux qui sont en train de m'écouter actuellement. Voilà. Mais, c'est une histoire qui s'est passée. Je revenais de Toulouse. Voilà. Parle un peu fort, Denko, s'il te plaît, mon vieux. Je revenais de Toulouse. Voilà. Voilà. Il m'a dit qu'il a signé de 1000 euros à Toulouse. D'accord. De un, d'abord, il fait part égale avec moi. D'accord. Donc, ce qui veut dire, moi, je me déplace à Toulouse pour aller jouer pour 500, lui prend 500. Ah bon? Mais malheur pour lui, la coupe qu'il a me casé ce jour-là, et celui qui devait me remettre l'argent, c'était notre Agban. D'accord. Mais pourtant, il avait fait ce deal-là avec Alain Guédé de Toulouse. Alain Guédé de Toulouse. L'Andu Agba, que tu ne savais pas que Dao avait signé ce bail avec lui. Oh, pourtant, c'est 1500 euros qu'il avait signé. D'accord. Ce qui veut dire que, un, d'abord, moi, il me fait déplacer pour 500 euros. D'accord. Et lui, il se retrouve avec 1000 euros. Pendant que lui, il a l'argent. C'est pas normal. Je suis d'accord qu'il y a une foutaise. C'est pas normal, ça. Ça, c'est foutaise même. Et l'Andu Agba, sachant pas que. Dao avait signé ce bail avec Alain Guédé de Toulouse. D'accord. Lui, il va déclarer directement la somme. Il dit, j'ai mis 500 euros maintenant. Donc, tu seras prêt, à monter sur la scène. Ok. Donc, oui. donc mon vieux père Petit Denis. Donc, en fait, Dao, l'argent, en fait, il a voulu te doubler depuis le début. Là, il ne sait pas que toi, tu es un enfant de Batanico, tu as pris drap. C'est quelque chose qu'en fait, il avait l'habitude de faire, mais cette fois-ci-là, ça a mal tourné. Dao, l'argent avait l'habitude de faire ça avec toi. Ok. Voilà, sous prétexte que, voilà, c'est lui qui m'a fait venir sur Bengue. Alors que pourtant, il soit bien ici, là, tout le monde le sait, il y a ma propre charge. C'est clair. Même le sait. Voilà. Et moi, j'ai des dépenses ici. Après ma tournée, après mon spectacle, oui. Je rentre à Paris. Oui. Ne sachant pas qu'il était derrière moi, il ouvre mon portail. Il tape le coup, j'ouvre mon portail. Il fonce le barrage. D'accord. Juste à monter à mon immeuble. Mets sa main dans ma poche, ce que je ne voulais pas me laisser faire. D'accord. Voilà, j'ai mis ma main dans ma poche pendant ce temps qu'il protégeait mes poches. Me fait tomber et me donne un coup de poing au visage. Ah bon? Voilà, il me pète la cage sourcilière. Voilà, il le sait très bien, il va vous dire. Ok, voilà. Donc, ça veut dire quoi? Donc, Dao l'agent a osé agresser notre petit Denis National parce qu'il s'est dit que j'étais un peu fatigué. Donc, lui maintenant, il t'a trouvé dans le coin, tu ne sais même pas comment. Et il est venu. Il est venu jusqu'à la maison. Ah, il est venu jusqu'à la maison pour t'agresser. Voilà. Ah, on va faire ça à notre petit Denis. Non, vraiment, Denko, ça là, ton affaire là, moi, j'ai chargé. Parce que moi, c'est une histoire que moi, je ne voulais pas mettre les réseaux sociaux parce que, il a un prétexte de dire non, que ouais, c'est lui qui m'a fait venir à Bengue. Au putain, c'est dans quelles conditions il m'a fait venir à Bengue. Est-ce qu'on peut faire venir quelqu'un à Bengue? On a quitté. Toi, tu vis de ton art, tu es un artiste. Moi, j'ai quitté ma condition. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est-à-dire, lui, il a fui par là à Abidjan. Et puis, l'argent, voilà. Dès que la famille s'est éclipsée, les parties, comme elle lâche, voilà, moi, je n'ai pas parlé de cette histoire-là, jusqu'à ce qu'il se crée. Non, Denko, mon vieux Denko, ça là, tu ne dois pas laisser. Nous, tes voisins là, parlable de ça là, on fait ça. L'argent qu'il est venu prendre à ta poche, Jean-Louis va te noucia, Jean-Louis va te yaou là. Il va te mettre dans ma poche, voilà. Bonjour, parti. Voilà, mais ce n'est pas normal. Petit Denis, c'est un artiste. Depuis nous, on n'est pas encore né là. Petit Denis chante. Il vit de son art. Taliban. Oui. T'as pas gâté. C'est celui-là. C'est une histoire. De toute façon, tu sais. Voilà. Comme je t'ai dit là, il a peut-être été celui qui m'a fait venir. Les gens vont se baser là-dessus. Sur la vraie version, les gens ne savent pas. Puis je suis livré à moi-même ici. Comment ça se fait que tu peux être rentré à Abidjan? Comment ça se fait que je suis là? C'est clair. Et qu'il va faire les gens, c'est des gens lui bloquent mon passeport. Il fait une année. Comme les gens mettent des commentaires de cela là. Donc il abuse de cela. Et tu vois? Ah, non, il a bloqué ton passeport. Il a bloqué en plus ton passeport. J'étais obligé d'aller le chercher forcément au prix. Au prix, forcément. Ah ouais? J'ai pris mon passeport. Mais pourquoi lui bloque ton passeport? Lui, il est qui? Il est préfet ou bien? Non, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. On ensemble, Guéry. Ok, à Padra. Merci, Denko. Merci, Denko. Merci. Donc, vous avez vu, hein? Petit Denis.